Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nils et pour ce soir, on va continuer sur les bases, enfin les bases. Le stream assez sympa qui a eu lieu, qui était un stream hors série, où j'avais mis en place une cartographie de débit réseau dans mon home lab. Et cette fois-ci, on va continuer. On s'était rendu compte qu'il était possible de pouvoir faire de la limitation de réseau, ce qu'on appelle de la qualité de service, la limitation de débit réseau, dans Libvirt, qui est la solution de virtualisation que j'utilise. Et je me suis dit que, tiens, ce soir, ça pourrait être intéressant de creuser ceci encore plus. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo va vous intéresser. Alors, d'abord, peut-être un petit retour sur la vidéo précédente. Donc la vidéo précédente, elle se basait d'ailleurs sur deux autres vidéos d'avant, où j'avais mis en place dans le réseau de mon labo virtuel un outil de métrologie qui s'appelle LibreNMS. Et ce logiciel, LibreNMS, permet en fait de grapher l'occupation d'éléments réseau, que ce soit des serveurs, mais surtout des routeurs, des switches, des pare-feux, vraiment des éléments actifs dans des réseaux d'organisation ou d'entreprise. Et il s'avère qu'il y a un plugin pour LibreNMS qui s'appelle WeatherMap, littéralement la carte de la météo. Et c'est utile parce que ça permet d'avoir une, entre guillemets, une météo de son réseau et de voir quels sont les liens réseau qui sont les plus occupés. Et suite de ce stream, de ce long stream de près de 3 heures, durant lequel on s'est bien amusé avec la Weather Map, et en cherchant 2-3 trucs pendant le stream, bah, on s'est rendu compte qu'il existait une fonctionnalité dans Libvirt qui permet de faire donc ce qu'on appelle de la qualité de service réseau et donc de pouvoir limiter les flux réseau entre différentes machines virtuelles qui sont dans un réseau virtuel soit isolé soit NAT. Et donc eh ben, en se basant sur bah, ce qui est en place maintenant dans ce labo virtuel grâce à la Weather Map. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller creuser cette limitation de débit et de voir si ça marche quand on fait une limitation à, je sais pas moi, 10 mégas, 100 mégas, 1 giga. Pour le moment, a priori, à l'intérieur de mon labo virtuel, ça semble être limité à un peu plus d'1 giga, mais il n'y a pas de limite en fait de paramétrer, donc on va voir ce que ça donne. Voili, voilou pour la description de cette vidéo, de ce qui va arriver. Et vous êtes déjà 5 à regarder, c'est assez cool. Je vais en profiter tout de suite pour remercier un follow qui a eu lieu juste avant le début du stream. Donc je ne sais pas si tu es en train de nous regarder, mais Domobotique, merci à toi, c'est très gentil. Alors, Fabou78, déjà bonsoir à toi. Est-ce que j'aurai la possibilité de créer du trafic pour tester? Tout à fait. Tout à fait. Il se trouve que lors du stream de la fois où j'avais fait la Weather Map, on avait utilisé un outil fort sympathique pour en fait faire du benchmark réseau, entre guillemets, c'est-à-dire Iperf. Tout à fait, Iperf 3. Tout à fait. Donc, ça pourrait être assez amusant de jouer à nouveau avec Iperf 3 et de tenter de saturer les liens, que ce soit à, je sais pas moi, 10, 100, 200 mégas. Hop. Alors, ce que je vais faire comme d'habitude, parce que je le fais toujours pendant le stream au dernier moment. C'est j'ouvre le schéma du Home Lab, histoire de se rappeler un peu ce qu'on a. Est-ce que j'ai essayé Ostinato? Ça ne me dit absolument rien.
Ostinato. Bon, on peut jeter un œil, hein. On va d'abord regarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper ça tout de suite dans un moteur de recherche. Et je vais bien entendu afficher mon bureau. Ostinato. Un procédé de composition musicale. Je pense pas que ce soit ça. On va taper network, hein. Traffic Generator for Network Engineers. Ça m'a l'air d'être un petit peu plus ça. On peut maintenant générer 10, 25, 40 gigas de trafic. Go Turbo. Et ben, je suppose que ça va être une version un peu plus. Oh, il y a un pricing, ouais. Super Bundle. Linux One Distro. Perpetual License. 39 dollars. Ah ouais, bah ça a l'air d'être un peu. Ah, effectivement, ils ont un truc de turbo avec 10, 25, 40G. Ok. Holder version sont dans les archives, certaines gratuitement. Le code source est sur GitHub. Donc en gros, c'est quoi? Ils font payer les binaires. Free tools send igmp.com. D'accord, bah, je découvre, hein, honnêtement. Mais effectivement. Ah, si, il y a eu des commits récemment. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a. D'accord, donc c'est ça. Il vend des licences binaires sur ostinato.org pour. Ok. Et ça coûte. Donc, soit on a une licence perpétuelle pour une seule personne à 39 dollars. Sinon, après, ça devient des licences à l'année, où on est à 169 dollars par utilisateur et par année en desktop bundle. Et en super bundle, on passe à 289 dollars. Ok. Je comprends le principe. Je comprends que le mec je sais pas s'il vit de ce logiciel-là, mais je peux comprendre qu'il veuille gagner un peu d'argent avec. Et le code source reste toujours disponible. Ça me rappelle. Bah c'est un. Comment dire? C'est un. Bah, en fait, si, le code source est toujours là, donc tu peux le compiler toi-même. Dans l'absolu, ça c'est toujours gratuit en fait. C'est juste que il ne fera pas de release binaire directement sur GitHub, voilà. Il y a juste le code source. Et par contre, si tu veux un truc prêt à l'emploi, par exemple pour Raspberry Pi. Eh ben, tu peux acheter son bundle à 289 dollars l'année. Il propose même une appliance virtuelle. Tiens, il y a même entre guillemets de la. Donc. Non, non, c'est. Alors, c'est un modèle que j'aurais tendance à qualifier de similaire à celui de Red Hat. Alors maintenant, aujourd'hui, Red Hat propose une version gratuite de sa RHEL. Donc il est possible d'avoir pour jusqu'à, je crois, 16 machines de production, on peut avoir une RHEL qui est enregistrée au support chez Red Hat. Alors le truc étant self-support, c'est-à-dire que bah, vous bénéficiez des mises à jour de la distribution, mais si vous contactez le support en disant j'ai un problème avec mon serveur, je pense que c'est un bug, ils vont vous dire bah écoutez, il faudra peut-être passer à la caisse, monsieur ou madame. Donc, je pense que voilà, c'est un modèle qui est relativement similaire. Bonsoir à Haribo, bienvenue. Ouais, je suis assez. Comment dire? Je peux comprendre qu'il veuille faire ce genre de choses-là. La question que je me pose. Client Common Extra RPC, ouais, test, ok. Il y a un truc README. Bon, ça n'a pas l'air d'être documenté sur comment ça se compile. Donc ça doit pas forcément être évident. Je sais pas trop tous ces quoi tous ces PRI, mais
C'est quoi comme langage? A priori, c'est du C et du C++. Enfin, surtout du C++. Donc, à mon avis, un bon coup de alors, il n'y a pas de script configure. Mais si ça se trouve, il y a peut-être des choses intéressantes. Contributing, code of conduct, ok. Je pense qu'il faudra passer un petit moment. Ah, update.gitignore for Qt5. Oh, ça doit pouvoir se faire à grand coup de. Ah. Ouais, à grand coup de make, à mon avis. Mais je vois pas de makefile. Donc, à moins qu'il ait un makefile qu'il ait gardé pour lui. Mais vu qu'il y a écrit Qt5, je me demande s'il y a pas moyen d'utiliser ces makes. Je vois des points CPP. Ou QMake, ouais, effectivement. Bref, c'est pas ce que je vais utiliser ce soir. Mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a d'autres outils. Revenons un peu sur notre Home Lab. Ce bon vieux Home Lab. Alors, je pense que la première chose qu'on va faire. Ah, mais je t'en prie, Fabou78. Moi, ça me fait plaisir quand même de regarder. Ce que je suis en train de me dire, c'est que. Oh, tiens, j'ai zappé un truc là. Bon. Alors, déjà, je vais rétablir ça. C'était. Hop. Non. Hop. Comment ça, tu veux pas? Ah, si. 10.5.0.2. Et c'était ISP 5-box. Voilà. Hop là. Donc, ça, c'est le schéma du Home Lab. Donc, tout ça, c'est virtuel. Jusqu'à ici. Où ça, en fait, ça, c'est la machine physique. Marvin, de son petit nom. Et on s'était amusé, lors du stream exceptionnel, à faire des hyperf3 depuis diverses machines en direction du serveur DNS. Et on avait vu qu'on pouvait aller à plusieurs centaines de mégas à certains endroits. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on pourrait exactement mettre comme, je dirais, comme limitation réseau. En gros, aujourd'hui, de toute façon, je vais être limité en définitive par un tuyau. Salut Xavier! Je vais être en définitive limité par un tuyau, qui est celui-ci. Celui qui sort de ma machine physique et qui, lui, de toute façon, bah, il fait 1G. Il fait 1G, il est sur un switch gigabit Ethernet aussi. Ma connexion Internet, elle fait plusieurs centaines de mecs. Je suis en fibre optique, mais voilà, de toute façon, j'ai envie de dire, ne serait-ce que pour aller dans mon réseau local, je suis limité à 1 giga. Donc, ce qu'on peut peut-être faire. On pourrait envisager peut-être de limiter d'abord peut-être ce tuyau-là, donc le tuyau entre le routeur ISP1 et le serveur DNS, puisqu'a priori, enfin ce serait au moins pour faire un test, on pourrait le limiter, je sais pas moi, à 100 mégabits par seconde par exemple, pour voir déjà, pour valider qu'on arrive à le faire fonctionner sans mettre en vrac tout le home lab. Et puis ensuite, on pourra peut-être réfléchir à avoir différents débits à différents endroits. Surtout qu'en plus, là, j'ai une sorte de boucle, entre guillemets. Donc normalement, lui, il peut aller. Alors, tout ce qui sort de ce réseau-là va passer par ce routeur-là. Et on a deux chemins possibles pour aller jusqu'à Internet. On peut soit passer par en bas. Par contre, il faudra traverser trois routeurs avant de repartir sur le. Sur le sur la sortie, ou alors celui-ci qui part direct. Donc on pourra imaginer que par exemple ici il y ait moins de débit et que là il y en ait plus. Par exemple.
Mais je pense qu'on verra, on verra ça au moment venu, mais on va commencer déjà par limiter ce lien-là. Donc ce lien-là, si je reprends mon interface Virtual Machine Manager, eh bien, quand je fais un petit details et que je vais dans les Virtual Networks, on peut voir que j'ai tout un tas de réseaux virtuels. Et donc, celui-ci, c'est le réseau ISP1. Donc, c'est juste ISP1 net, donc qui est un réseau, si je regarde en XML, qui est un réseau standalone. Il n'est pas routé, il n'est pas NAT ou quoi que ce soit. Il n'y a même pas d'information de sous-réseau, donc l'hyperviseur n'a même pas pris une IP dans ce réseau-là, et l'hyperviseur n'a même pas de serveur DHCP par exemple. C'est vraiment, c'est purement de la connexion entre machines, hein, c'est pouf pouf. Bon, il y a quand même une adresse MAC. C'est marrant, mais bon. Et donc, je vais sans doute modifier ça manuellement, directement dans fichier XML. Puisque a priori l'outil graphique n'a pas de, ne le gère pas. La bonne nouvelle, c'est que l'information est disponible. Il y a une documentation qu'on avait vue justement la fois précédente. Et donc, hop, ça se met comme ça. Donc on peut limiter la bande passante. Je vais vous mettre le lien dans le chat quand même. Je vais en profiter d'ailleurs pour mettre le lien aussi dans le canal Discord des liens du live. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que la communauté grimpe et grimpe jour après jour sur le serveur Discord, donc vous êtes les bienvenus. On va copier-coller, hein. On va copier-coller, mais hop là. Si on veut bien. Paste. Non? Ah, j'ai pas copié? Copier. Coller, voilà. Par contre, avant de bêtement sauvegarder, le truc indique que l'élément bande passante, ça permet de mettre en place de la qualité de service pour un réseau particulier. Que c'est pris en charge uniquement pour les réseaux qui ont un forward de route NAT bridge ou pas de mode du tout, c'est-à-dire un réseau isolé, c'est notre cas. Et donc, par contre, on ne peut pas utiliser le pass-through, le private ou le host Dave. Ok. Alors, ça peut aussi être un sous-élément. Ah, d'accord. Donc a priori, on peut même limiter le débit par machine. On pourra tester peut-être à l'occasion. Tiens, par contre, je savais pas qu'on pouvait faire des port groupes dans un réseau. Je sais pas encore, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça pourra être une idée un jour. Ce qui va être intéressant, ça va être justement les mots-clés qu'on a. Average, peak, burst et floor. Donc, on va être en kilo-octets par seconde. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire du 100. Alors, on va sortir la calculatrice. Hop, parce que je pense que ça va devenir un petit peu compliqué. Si j'ai 100 mégabits par seconde, si je multiplie par 1024, j'obtiens un débit en kilobits par seconde. J'étais en mégabits par seconde. Je multiplie par 1024. Donc j'ai des kilobits par seconde. Et si je divise par 8, j'ai normalement des kilooctets par seconde. Je ne sais pas si mon calcul est correct. Enfin, moi, ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. Donc, si je fais un réseau à 100 mégas, ça veut dire 12 800 kilobits par seconde. Donc, que ce soit en in ou en out. Ah, on pourra même faire du débit asymétrique. On pourra simuler, genre, une connexion ADSL. C'est chouette, ça! Optional attributes. Ah. Et ça, c'est quoi? Ça garantit qu'au moins. Ok. Donc, a priori, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enlever les histoires de peak et de burst.
Hop. Et on peut laisser juste ça. Et on applique. La question que je me pose maintenant, c'est que on a modifié un fichier de conf, mais on n'a pas dit à libvirt de venir retoucher à tout ça. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais donc me connecter sur Marvin, mon serveur de Home Lab, et hop, si je fais un petit sudo virsh list, bon là j'ai toutes les machines qui tournent, je peux faire un netlist, donc là j'ai tous mes réseaux qui sont actifs, et est-ce que je peux faire un netstart, un netstop, hein, ou voire même un netrestart, mais ouais, j'ai pas l'impression. Alors j'ai un peu peur de faire un... Ah, faire netdestroy d'ailleurs. J'ai un peu peur de faire un netdestroy puis un netstart parce que je crois que je l'avais déjà fait sur des trucs. Et en gros, à part redémarrer la machine, j'étais un peu ennuyeux. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, on va faire, hop, on va se connecter ici. On reprend ça. Et si on fait un ping 10.1.0.53, donc là, j'atteins la machine... Je peux peut-être faire un MTR. J'ai un MTR là-dessus ou pas? Oui. MTR 10.1.0.53. Ok. Donc j'atteins toujours. Hop. J'atteins toujours cette machine depuis. Ici. Grosso modo. Tiens, d'ailleurs, il faut que je lui change son nom, lui. Donc on vient là. On passe par là. On passe par là. On arrive là. Et là, à un moment, ça va couper. Est-ce que ça va revenir? Là est la question. Hop, on va se garder ça ici. Hop, voilà. Et donc netdestroy, et eh ben c'est ISP1, ISP1 net. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire un sudo virsh net create ISP1 net. Et il n'y a plus qu'à espérer que ça passe. Donc on croise les doigts. Dis donc, t'es où? Ah voilà. Donc on croise les doigts et j'appuie sur entrée. Ah. J'ai pas... J'ai pas ISP1 net? C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Alors, revérifions. Détail. Ah, il a tombé. Donc on a eu du packet loss. Ah, qui est passé en no route to host. Là c'est bon, il est actif. On va aller se connecter en direct sur la machine, qui est donc le DNS0 ISP1. Voilà. Donc c'est bien lui. Et non, il a rien du tout. Et sa route, 10.1.0.1. Non, il a rien non plus. Alors, on va aller. Si je... L'interface est up. Et si je vais sur le routeur ISP1. Hop. Et si je fais un. Si je fais juste un show interfaces. Hop, Ethernet ETH1. Il me dit quoi? Il me dit que... Il me dit pas grand-chose si je fais un ping 10.1.0.53. Non, il l'a pas non plus. Il l'a pas non plus. Alors je vais faire un truc, je vais redémarrer les routeurs. Enfin, pas le routeur, mais je vais redémarrer le routeur et la machine.
Juste au cas où. Si je fais un reboot ici et que je fais un reboot là, oui, je vais rebooter. Alors, est-ce que ça va passer? Si jamais je dois redémarrer tout le home lab à chaque fois que je fais une manip sur le réseau. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, allons-y. Oups, je crois que j'ai fait. Ouais. Hop là. Alors, voyons voir ce que ça donne. IPA, IP-Link. Donc a priori, là, lui, il dit que le lien est up. Lui, si je fais un show interface, je peux faire un IP-Link, je crois. Ouais, je peux faire un IP-Link à la Linux. Et il me dit que tout est up. Et si je fais un ping, bien entendu, je n'ai rien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais power off carrément. Ouais, je vais power off. Je vais power off. Et je vais reprendre. Ah, il y a eu des trucs par moment? Ah, il était passé par. Ouh, c'est bizarre cette affaire. Donc, j'ai voulu power off pour ensuite aller dans les détails, refaire un stop network. Je start le network. Et ensuite, on redémarre le routeur, qui normalement est là. Hop, je vais attendre qu'il ait démarré. Et si jamais ça passe pas, je redémarre carrément la machine. Je redémarre la machine physique. Et je redémarre tout le home lab. Donc, de toute façon, le réseau là, il est actif. Ok. Hop. Et donc. Voilà, là il est mis et maintenant l'autre, on va démarrer. Et on a Haribo qui nous raconte de prévenir le quartier au cas où il faudrait redémarrer le NRO de mon FAI. pas mal celle-là. Alors, donc là c'est pareil, un petit IP-Link et il est ETH0 up. Et voilà, ça passe. Et je sors sur Internet. Nickel. Donc en gros, faudrait que je coupe toutes les machines qui sont reliées à ce réseau, que ensuite je coupe le réseau, je fais la modif, je redémarre le réseau et après je redémarre les machines qui y sont connectées. C'est
Mouais. Je vous avoue que je suis un peu moins emballé tout à coup, mais ok. Donc là, maintenant que j'ai mon que j'ai mon ma limite de réseau qui est posée, et que mon... On va refaire un MTR hein, quand même, au cas où. Ouais, là c'est bon. Hop, pas de packet loss. Ok, cool. Alors, bah on va s'y connecter d'ailleurs. Voilà. Je vais mettre un petit Emux. Et puis, alors, on va se faire un petit hyperf3-s et puis on va le laisser en 5201. Hop. D'abord le port 5201. Voilà. Donc là, j'ai un hyperf qui tourne. Moi, là, je suis sur ma machine. Je vais faire un petit hyperf3-c. Et on va aller vers 10.1.0.53. Et il tambourine à 966 mégabits par seconde. Donc soit je me suis trompé dans mes calculs. Soit il a rien appliqué du tout. Donc si ici je reviens et que je fais un sudo vir sh net edit, on va faire donc c'est isp1 net. Isp1 net. On voit bien que j'ai un inbound average à 12 800 et un outbound average à 12 800 aussi. On l'a refait, hein, mais on a bien la doc qui nous dit que c'est des kilobytes par seconde, donc des kilo-octets par seconde. Donc je reprends 12 800 kilo-octets par seconde. Faut que je les divise par 8. Non. Attends, un octet c'est 8 bits. Donc il faut que je multiplie par 8, ouais. Pour avoir des kilobits par seconde. Ah zut. Donc là je me retrouve avec une quantité en kilobits par seconde, et si je divise par 1024, j'ai des mégabits par seconde, et donc je devrais être limité à 100 mégabits par seconde. Donc c'est assez étonnant. On va le lancer un petit peu plus longtemps, mais ouais, il tambourine à 1 gigabit seconde là. Et je suppose que, alors, si je, hop, si je reprends mon petit, d'ailleurs que je dois avoir un peu plus, hop. Ah oui, il faudra que je la réactualise en temps réel la weather map. Petit détail aussi. Donc, allons-y. La weather map, elle est sur 10. Non. J'ai perdu l'adresse de ma weather map. Qui est en fait librenms.example.com. Bah écoute, dans ce cas-là. Voilà, hein.
Cron.d. Et je dois avoir un libre-NMS, non? Non, ok. Tiens, je vais de l'oxidized. Ah bah si, j'ai un libre-NMS. Et donc la weather map, c'est ça. Voilà. Et là, si je rafraîchis. Donc on a le firewall FWL0 website qui vient envoyer du trafic. Ok. Donc là, on est toujours à 1 giga. Hein. On est toujours à 1 giga. Je vais Après, il faut aussi peut-être que je repôle directement au niveau de LibreNMS. Ah là là. Ouais, parce que là, bon, il m'annonce 10%. Hop, je vais grossir un petit peu quand même, histoire que vous puissiez voir quelque chose. Mais actuellement, lui, le routeur, dans l'immédiat, pas grand-chose. Mais ça me surprend quand même qu'il arrive à... Puis c'est pareil, je suis assez surpris qu'il y ait une limite à 1 giga à peu près, un petit peu plus. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une limite quelque part? Est-ce que genre les routeurs sont... Ah, je me suis trompé dans le mot de passe. Parce que si je fais un petit show configuration. Le débit live de l'interface routeur. Fabou78 qui demande quel est le débit live de l'interface routeur. C'est une excellente question. Alors, est-ce que par hasard sur WireOS, il n'y aurait pas un ETH tool hein? Si je fais une bash. Non. Ouais, je suis route. Ok, cool. Donc si je fais un IPA, j'ai les trucs classiques. Et j'ai un MTU à 1500. Ah ouais. Est-ce que le MTU à 1500 limiterait pas de façon les choses? Probable. ETH tool. Alors moi H. Oula. Alors ETH tool il nous dit quoi? ETH tool. Ah, faut dire dev name. Donc ETH1. Supported link mode, not reported. Speed unknown, duplex unknown. Donc a priori. À moins que ça dépende aussi de d'un autre élément. Qui pourrait être le home lab en lui-même. La machine physique. Hop. Alors. Alors j'ai des réseaux virtuels. Et a priori le VNet 22. Pourquoi le VNet 22? Alors,
Vir BR3, State Unknown. Et lui, il a quoi comme... Ça, c'est son interface physique. Enfin, c'est sa MAC adresse. Bah, c'est très bien qu'on ait la MAC adresse. Mais elle correspond pas à celle de... Donc a priori, si je vais chercher une A4-EC. Si je vais chercher une A4-EC. A4. Ah oui, c'est pardon. 2.EC. Et donc c'est vir BR1. State up, default, culen. Ici je fais un ETH tool. Ouais. ETH tool, vir BR1, il me dit quoi? Bah ouais, de toute façon il me dit unknown. Speed 10 mégabits seconde, ouais. On va faire un sudo de ça. Non, non, rien de plus. Alors à moins qu'il y ait un souci dans ma version de Libvirt, mais a priori, là ils disent depuis la version 1.0.1, depuis la version 0.9.4. Et j'ai Libvirt 7 et des brouettes. Libvirt 7.6. Et moi, de toute façon, avec, enfin, vu que c'est aussi une Fedora sur mon desktop, donc je suis dans les mêmes versions de Libvirt, à quelques révisions près, quoi. Alors, ce que je pense que je vais faire, c'est que d'abord, je vais couper ça, ensuite, je vais couper ça, je vais éteindre cette machine-là, je vais éteindre aussi le routeur. Et puis on va aller du côté de ici. Et ce que je vais vouloir faire, c'est un petit sudo vir sh netedit ISP1. ISP1 net. Ok. Et je vais être assez goré, je vais faire 128 kilooctets. Ensuite. Non, c'est pas celui-là que je veux. Sudo vir sh netdestroy ISP1 net. ISP1 net. Donc je vais à nouveau relancer. Ok, donc là j'ai à nouveau mon réseau. Je redémarre ma machine virtuelle. Ma deuxième machine virtuelle, donc mes deux... voilà. Et quand ils seront... Alors, il y en a un là qui démarre déjà très vite, l'autre qui met un petit peu plus de temps. Et roulement de tambour, quand il aura fini de démarrer, on va se reconnecter, puis on va refaire les hyperf, hein. Et histoire de voir les trucs en live, alors quand j'aurai réussi à me connecter sur celui OK en local, c'est bon. Salut Jalador, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée.
Alors, si, ça y est, il a fini. Donc on peut revenir. Non, pas ici. Non, pas ici non plus. Je me perds un peu avec tous ces terminaux. Hop. Ok, là c'est bon. Ça, à la limite. Hop, on va se faire un Tmux. Est-ce que par hasard j'ai iftop là-dessus? Oui, j'ai iftop. Donc on va faire un iftop de moins i eth0. Voilà. Donc ça c'est cool. Et on va le faire un iftop moins n aussi. Voilà. Ensuite, on va aller ici. Et puis on va se refaire. Ah ouais, non, ouais, j'ai oublié un truc. D'ailleurs, c'est. Ouais, ça c'est le libNMS. Alors je vais. Hop. On va les intervertir. Faut pas déconner non plus. Et je vais relancer mon petit perf3 serveur ici. Donc là, sur sur la machine DNS0, donc sur. Hop, sur cette machine-là. Sur cette machine-là, on a un iftop qui tourne pour voir le débit instantané. On a un hyperf3 serveur. Ok. Ce lien-là, normalement, je l'ai mis à 128 kilooctets-secondes. Et je vais aller tambouriner depuis cette machine-là. Donc ça va aller ici, ça va aller là, ça va aller là, et ça va revenir ici. Donc à un moment, je devrais me limiter à 128 kilooctets-secondes. Et depuis là, il reçoit bien 1 giga. Ça, c'est louche. Et le iftop, il dit quoi? Le iftop, il dit que depuis 10.2.1.2, ouais, c'est pas déconnant. Il a reçu 978 mégas. Il a envoyé 6 mégas à 28, mais il reçoit. Et il tape le giga. Il tape le giga. Bon, à votre avis, est-ce que je redémarre le Home Lab? Genre entier. C'est je fais un restart complet de la machine physique et puis on redémarre toutes les machines du lab. À ton avis, il faut que j'attende. Je suis curieux de savoir ce que tu veux que j'attende, Fabou. Parce que là, pour le moment. D'ailleurs, je suis même assez curieux de comprendre pourquoi j'ai une limite à 1 giga. À moins que ce soit comment dire, le MTU. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier? Bah écoute, si jamais je vais dans slash etc libvirt. Ah, bon, allez, hop. Etc libvirt. Voilà. J'ai quelque part. Ah, zut. QMU Networks. Hop, QMU Networks. Donc là, c'est les fichiers XML qui sont utilisés par libvirt pour un hyperviseur QMU KVM, qui est ce que j'ai. On a bien le fichier de conf ispnat.xml qui a été modifié le 17 février à 19h55, sachant que ma machine est en UTC et que pour elle, il est maintenant 20h01. Sachant qu'il est 21h01 heure de Paris en cet instant. Et maintenant, si on regarde le contenu de ce fichier-là, voilà, on peut voir que j'ai un inbound et un outbound average à 128. Oui, je vois la config, mais sachant que j'ai redémarré le réseau virtuel, alors à moins qu'il ait effectivement ignoré toute cette partie-là, ce qui a l'air d'être le cas.
Parce que là, j'ai des logs pour les VM. Mais j'ai pas de log réseau, j'ai l'impression. J'ai toutes les machines que j'ai pu pop. Vous pouvez voir même mes Fedora Desktop d'il y a un moment là, quand on avait fait les tests de commandes dangereuses. On peut voir les Alpine, les OpenWRT, les Debian pour le projet botnet. Ça, c'est la machine que j'ai redémarré aussi, le routeur. Alors oui, ça défile, mais vous inquiétez pas. 2021, 12, 13. Ah ouais. Non, là, c'est vraiment que des trucs concernant le... comment est-ce qu'on peut vérifier que c'est appliqué? Si je fais un net. Alors, je vais me mettre là. Si je fais un vir sh net dump xml de isp.net. Ah, il m'affiche bien le truc. Ouais, bah, a priori, fin. La conf est rapportée, mais net update, tiens, vir sh net update. Si je lui dis ça, il fait quoi exactement? Requires command require. Ah, d'accord. Net info. Ah oui, net info, tiens. Donc, j'ai pas grand chose de plus. Il est actif, ouais. Autostart, non, mais ça c'est normal. Et il est sur le bridge Virber. Ok. Et pourtant, le TH2 là, il me dit 10 mégabits par seconde. C'est marrant. C'est très marrant. Enfin, c'est très marrant. Alors. Alors, je suis en train de me demander si je ne devrais pas ajouter les pics et les bursts. Quitte à mettre un pic et un burst à la même valeur. Donc, je mets un 128 partout. Ça peut se tester, non? Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être tenter ça, hein. Je pense. Salut Manon, quand tu dis ça a commencé depuis quand c'est le stream? Le stream, ça fait presque une heure qu'on est là.
Ah, le live, oui, bah oui, ça fait 1 heure. Ça fait presque 1 heure, en tout cas. Alors, ce qu'on peut peut-être faire dans ce cas, parce que le truc, il est toujours à un G. Il est toujours à un G. Ce que je peux peut-être tenter de faire, c'est de modifier directement au niveau des interfaces. Donc je vais à nouveau couper le réseau. Je vais couper les VM. Et puis je vais enlever le. Non, je vais d'abord essayer les histoires de pic et de burst, tiens, d'abord. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Voilà. Ensuite. Ça c'était le DNS, lui là. Voilà, et ensuite, ça on va le couper, on va éditer directement en ligne de commande. Le fichier XML, qu'est-ce qu'il configure? Alors le fichier XML, hop, je vais te le remontrer ici. Donc en gros, il définit le réseau. Il définit le réseau virtuel. Donc le réseau virtuel qui s'appelle ISP.NET, c'est un réseau qui est sur un bridge. Il a une MAC adresse, il a un nom. Il y a les informations de bande passante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vir sh netedit ISP1 ISP1. Net. Hop là. Hop là. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est le réseau entre DNS et routeur. Ouais, tout à fait. C'est le réseau, c'est ce lien-là. C'est ce lien-là. Hop, ici. Alors du coup, bon, ça, là c'est juste un trait, c'est un lien, mais normalement c'est un réseau Ethernet, donc je peux rajouter d'autres machines sur ce même réseau. Hein. Et donc dans la documentation que j'ai mis, hop, ici, on a un pic égal. Donc j'avais dit que j'allais le mettre à 128 et le burst à 128 aussi. Hop là. Voilà. Et ensuite, voilà, on les redémarre. Hop, on voit qu'il redémarre d'ailleurs. Je les trouve pas ultra rapides hein, à démarrer les VIOS. Mais bon. À la limite, c'est pas forcément pour leur temps de démarrage que ça m'intéresse de les avoir. Ah, c'est vrai que l'Alpine Linux, elle démarre très très vite. Voilà, allez, on est reparti, on va se reconnecter.
Pour quelle raison ça m'intéresse d'avoir les Vi.OS? Question de syntaxe en fait. À l'origine, je voulais travailler la syntaxe Juniper. Et la syntaxe Juniper est très proche de ce que propose Vi.OS. Donc, hop, mon petit perf. Et je relance le truc. Et ça repart à 1 giga. Bon. Je vais finir par croire que c'est des mégaoctets, hein. Enfin, ouais, des mégaoctets. Je vais le descendre à 2, tiens. On va rire. Bah c'est un peu c'est on va dire que c'est une variante. Allez. On rééteint le bignou. Ici aussi. Alors moi ma licence elle date de 2000, 2005, ma licence pro, quand j'ai fait du alors, du Cisco, mais du Cisco physique. Je crois pas que j'ai fait vraiment beaucoup de paquets de traceurs. On nous l'a montré à l'époque, mais pas plus que ça. En même temps, on avait des Cisco, des 1921 et des 2950. J'ai fait ma licence pro à l'IUT de Valence, dans la Drôme. Pop, 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 pom. Tu as fait ta licence pro à Châlons-en-Champagne. Ah, ouais. Alors, oui, je voulais retourner. Je me perds, moi, ce soir, dans mes... Hop. Et je disais, bah tiens, soyons fous, on va les mettre à 2. Ça change rien, je pense, en fait. Hop. Alors moi j'avais vu passer, je crois qu'en fin d'année on avait eu des routeurs 2650, mais on était surtout équipé avec des 2950 et enfin des catalystes 2950 en switch et des routeurs en 19, des 1920, des 1920 je crois, ou 21, je sais plus. Mais de toute façon ils avaient une interface Ethernet et des interfaces série, là, les gros trucs série, les trucs qu'on ne voit qu'à l'école. Au lieu d'avoir des bons vieux ports RJ45 juste pour nous faire configurer le port série avec d'un côté mince, le DTX ou le truc comme ça, je sais plus. Juste pour qu'on ait des gros câbles avec un truc à 19 200. Juste pour pouvoir faire des pings et et des traces routes. Donc net destroy. Net start, et puis ensuite on start le routeur et DNS. Voilà. Donc les 3550, j'ai pas connu. Par contre, ensuite, en début de vie professionnelle, j'ai connu les catalystes 3750 de chez Cisco aussi. Peut-être qu'à l'époque c'était la norme. Maintenant Ethernet ou l'USB a changé la donne. Oui. Oh, je pense qu'en fait c'est une question de matériel pédagogique. Si ça se trouve, ça coûtait moins cher à faire. Oui, Fabou 78. J'ai effectivement noté ça. Et quand je regarde, quand je fais un net edit de ESP.NET, tu remarqueras que j'ai aucun mode dans mon fichier de conf. Donc je suis dans un réseau isolé. Bah quand il n'y a pas de mode, ça veut dire qu'il n'y a pas de mode. Donc c'est un réseau isolé.
Hop, on va se reconnecter ici. Je vais juste lancer le hyperf parce que de toute façon le iftop il affiche la même chose. Non, je suis toujours à 100 mégaoctets-seconde. Enfin, plus de 100 mégaoctets-seconde. Quasiment 1 gigabit seconde. Non, c'est bizarre. Donc effectivement, soit peut-être qu'il y a une option qu'il faut rajouter et qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il y a... Enfin, j'ai pas envie d'accuser et de dire que la doc doit pas être bonne. J'ai pas envie d'accuser un bug logiciel, même si on a déjà rencontré des bugs logiciels sur ces lives. Hein ? On se rappelle, je sais pas si on se rappelle du système d'installation automatique de Alpine Linux qui ne fonctionne pas en version 3.15. Bon, j'en rigole maintenant, hein, mais voilà. On se rappelle aussi du petit workaround à appliquer quand on veut utiliser l'automatisation d'installation de Debian avec Precid et qu'il faut entre guillemets killer le réseau pour pouvoir ensuite faire une configuration statique si jamais il y a un serveur DHCP dans le réseau. Ce que je vais tenter de faire maintenant, c'est je vais l'enlever du réseau, cette limitation, et je vais aller l'appliquer sur une interface. Je vais aller l'appliquer sur une interface de la machine du routeur. Hop. D'ailleurs, si je fais un vios at 10.1.0. Oui, hop. Ah. Je pense qu'il faudrait que je refasse un stream à l'occasion de config de VIOS quand même. Disons qu'un jour, ce que j'aimerais bien faire, je dis pas que je vais le faire, genre prochain stream, ce genre de choses là. Mais ça commence à faire un moment que j'ai ce home lab qui tourne. Et j'aimerais bien essayer de récupérer avoir toutes les informations pour pouvoir facilement recréer le home lab de façon automatisée. Genre à grand coup, comme on a vu déjà, je peux popper des machines virtuelles en copiant des images disques d'une image principale. La personnaliser un peu avec Cloud Init, on pourrait aller un cran plus loin avec par exemple Ansible et ensuite pourquoi pas aller avoir une liste de commandes vraiment et puis d'avoir les fichiers de configuration sur un repo Git au hasard sur GitHub pour pouvoir vraiment faire un truc qui puisse être refait. Et donc, par exemple, automatiser aussi la partie VIOS. Je sais pas si j'ai pas perdu tout le monde avec mes histoires de automatisation à l'instant. Donc là, déjà, je viens de retirer tout ça. Donc je vais destroy le réseau, le recréer. Et puis, on va faire un edit de router 0 ISP1. Donc là, j'édite carrément la configuration en mode texte. Je pourrais le faire hein, à ce niveau-là. Ici, vous voyez, je tape dans XML. Mais comme ça, là, le texte, il est un peu plus gros, vous le voyez. Ça peut être sympa. Il y a plusieurs interfaces réseau. On va aller les chercher. On va aller les chercher. Ils ont l'air d'être dans le coin. Voilà, Network. Et en gros, ce qui va m'intéresser, c'est celle qui est dans ISP1Net. Et donc, si je comprends bien la documentation qu'on a vu ici, sur le site de libvirt, il est indiqué quelque part que en sous-élément d'une interface d'un domaine, donc d'une machine virtuelle, on peut appliquer donc à cette interface
la limitation de bande passante. Mais on peut aussi le mettre en sous-élément d'un network. Et du coup, c'est la bande passante agrégée de toutes les interfaces guest qui sont sur ce network. Ok. Ok. Donc si jamais, par exemple, on a un réseau virtuel et qu'on a une machine virtuelle qui a plusieurs interfaces dans ce réseau, eh ben, on peut avoir une limitation de débit par interface. Donc en mettant dans le XML interface, ou alors dans le XML network, et ça prend toutes les interfaces de ce network. Sauf que a priori là, de toute façon, mon source network il est en dessous des interfaces. Ok. On va se mettre là. Et on va rajouter ça, hein. Alors pourquoi je l'enlève? Je vais faire un set paste dans Vim. Et voilà. Comme ça, je vais pouvoir indenter moi-même tranquillement. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon réseau qui est revenu dans la conf par défaut. J'ai mon routeur qui est modifié au niveau de l'interface. On va faire un petit start. Et puis, hop, on démarre l'autre aussi. Donc, si je reviens ici. Alors, est-ce qu'il m'a affiché le truc en direct? Est-ce qu'il m'a changé les choses? Ah oui, il me les a affichés en direct. Donc il rafraîchit en direct, c'est cool. Alors est-ce qu'on voit un truc dans les interfaces? Parce que là on est dans le NAT, ISP.NET. Non, il affiche rien. Et si je viens là, il me met les choses avec le OK. Très bien. OK, c'est super. Bon, c'est quand même assez chouette à utiliser libvirt, hein. On peut switcher de l'interface graphique à l'interface texte. Ça marche quand même pas mal. Alors, je sais qu'on peut aussi même avoir une interface web avec le logiciel Cockpit. Mais dans l'immédiat, je suis plutôt assez satisfait de ce mode de fonctionnement-là. Allons-y. C'est reparti pour un tour. Je lance mon hyperf d'un côté, je lance mon hyperf de l'autre. Eh ! On a un résultat. On a un résultat. On est limité à... On est limité là. Donc on a 1 méga. Alors je crois que j'ai remis les. J'avais mis les trucs. J'avais laissé les options par défaut de. Alors si je reviens ici. Je crois que j'avais laissé l'exemple. Hein. Ouais, j'avais laissé l'exemple. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais maintenant. Hop, j'arrête tout ça, voilà. Lui, je vais quitter. Non, je peux laisser ça. Je peux laisser ça comme ça. Je vais juste détacher la session pour une raison très simple. C'est que d'abord, je vais ici, non, lui, je vais le destroy. Voilà. Ensuite, on va l'éditer à nouveau. Et puis, on va aller changer un peu les paramètres. Voilà. Et ensuite, on redémarre. Et à l'image, on peut faire console ISP1. Puisque normalement, il a une console série lui aussi, hein.
Alors, à moins qu'il il me l'affiche pas parce qu'il a. Non. Non, il veut pas. On va revenir ici alors, hein. Ah, il démarre pourtant. Ah, remarque, il affiche peut-être que sur la console. On va tester, on va voir. Parce que je pense que ça pourrait être pratique quand même que je mette tout en console série. Comme ça, quand je veux grossir le texte, c'est plus facile dans le terminal. Et comme ça, vous voyez mieux. Alors. Donc là, il est en train de charger la conf. Voilà. Ah bah oui, c'est ça. Ok. Donc en fait, c'est juste le démarrage où il est sur la console graphique. Bah c'est cool. Alors, allons-y, c'est reparti. Voilà. Ah bah. Comment ça, adresse unused? Ouais, c'est parce que d'accord, je l'avais déjà lancé. Ok, hop là. Alors donc j'ai eu un petit un peu rapide. Et là maintenant je suis limité à 100 mégabits seconde. Donc en fait si je veux limiter mes sous-réseaux, il faut que je le fasse à faut que je le fasse au niveau des interfaces. A priori, ça marche au niveau des interfaces. C'est quand même bon à savoir. J'avoue que ça peut quand même ouvrir des possibilités. Alors maintenant qu'on a réussi à le descendre, le débit, je me pose une question. Est-ce qu'on n'arriverait pas à le monter? Alors non, ça marche pas au niveau du bri. Alors, ah, où est-ce que ça marche pas en fait? En tout cas, même si c'est documenté comme fonctionnel, ça ne fonctionne pas. La limitation de débit ne fonctionne pas dans la configuration du réseau virtuel. Par contre, la limitation de débit fonctionne dans la configuration de la carte réseau virtuel, de l'interface réseau virtuel. Et je dis bien de l'interface réseau, en fait, d'une machine virtuelle. Donc en gros, si je reprends mon schéma ici, au lieu d'avoir limité le débit du tuyau ici, j'ai limité le débit de l'interface là. Et ça reste quand même malgré tout intéressant. Ça veut dire que je pourrais envisager, par exemple, et en plus comme je peux faire des débits asymétriques, par exemple, je pourrais ici, par exemple, à ce niveau-là, sur cet ordinateur, enfin surtout sur ce firewall-là, je pourrais très bien au niveau de son interface ici, la mettre, par exemple, en débit de quelques mégaoctets-secondes, on va dire un... Quoi, la DSL dans sa première version, c'est du 8 mégabits ATM, si je me rappelle. Donc on met 1 mégaoctet seconde en descente, et puis on met 100 kilooctets seconde en montée, ce qui fait 500, 500 qui, non, ça fait 800 kilobits par seconde en montée, ce qui est quand même plutôt confortable pour simuler de la DSL. Et
Et on pourrait simuler donc une liaison ADSL à ce niveau-là. En tout cas, enfin, quand je parle de simuler une liaison ADSL, c'est en termes de débit. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est maintenant ce qui m'interpelle aussi, c'est pourquoi la dernière fois j'étais limité à environ 1 gigabit par seconde. Et en fait, je me demande si en modifiant les MTU sur les routeurs, il n'y aurait pas moyen d'augmenter les débits. Et puis pourquoi pas ben, d'arriver à un résultat assez fou sur la weather map. Qui bouge pas des masses du coup. Parce que là il m'annonce 32 mégs. Ah, 9-2. Ah, c'est chouette ça. 9-2, c'est. Bon, on est à un dixième de ce qui était prévu. Là, on a eu un petit pic à 1G à cet endroit-là. Ça, je peux couper. Enfin, je peux fermer la fenêtre. Alors c'est bizarre, là j'ai un BPY top et je regarde les interfaces qu'il est capable de graffer, mais c'est pas génial. Hop là. Et je me demande si en fait je pourrais pas augmenter la vitesse de mes réseaux tout simplement en augmentant le MTU et en utilisant ce qu'on appelle des jumbo frames au niveau de mes. Au niveau de mes routeurs en fait. Si jamais je regarde sur le grand internet convivial, est-ce qu'il y a des gens qui auraient fait genre libvirt jumbo frames? Ah, est-ce que je parle peut-être enfin est-ce que déjà certains d'entre vous savent ce que c'est que justement le MTU ou les jumbo frames. On pourra peut-être faire déjà un petit rappel. Alors j'aime beaucoup ce qu'ils mettent parce que la version française de Wikipédia dit trame géante. Donc en fait, voilà, les trames Ethernet, généralement, elles ont une valeur qui dépasse, qui va à 1500 octets. Et en fait, il est possible de créer ce qu'on appelle des jumbo frames qui ont une longueur qui va jusqu'à 9000 octets. Et en gros, voilà, donc la taille originale s'était limitée par les taux d'erreur plus élevés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des équipements qui sont beaucoup plus fiables. Donc on peut augmenter, on peut augmenter cette taille. Donc on peut mettre plus de contenu dans une seule trame Ethernet. Donc on a moins de données dites superflues. Ah tiens, l'i3e802 ne reconnaît pas les jumbo frames. Elle menace l'interopérabilité avec les réseaux de type anneau à jetons. Alors, les réseaux Token Ring, honnêtement, j'en vois plus beaucoup, voire même plus du tout. Et les réseaux Wi-Fi. Bon, les réseaux Wi-Fi, je peux comprendre, mais quand même. Mais oui, voilà, à partir du moment où on est sur un même sous-réseau, enfin, quand on a un point d'accès sans fil. Toutes les machines qui sont dans le même réseau sans fil, ah oui, mais un sous-réseau, si jamais c'est juste un point d'accès et pas un routeur, le réseau Ethernet
et le réseau Wi-Fi se retrouvent dans le même sous-réseau. Ouais. Donc en gros, si jamais je fais... Alors moi, la dernière fois que j'ai vu Turing, c'était un peu plus tard, mais c'était à l'école. Et c'était justement dans un environnement type TP, examen, ce genre de choses-là, quoi. Donc je suis et si j'ai fait je fais Virtio network interface max bandwidth DTH hop là parce que je suis quand même curieux de réussir un Digenic performance VFIO versus Virtio. Oh là. Ah! Alors, ETH Tool. Ah, effectivement, ETH Tool disait pas grand-chose. Et là, chez KVM, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, mais c'est du PCI passe-trou. Ah, je vous. Ouais, non, mais ça, c'est plus des. Ouais, c'est ça, c'est du. C'est pour carrément pour passer les interfaces réseau directement sur la VM. C'est pas ce qui nous intéresse. Et donc a priori. Donc si je comprends bien, au final, ce serait juste une limitation de ma machine. C'est ma machine qui peut pas aller au-delà, en fait. Donc a priori, c'est pas une limitation. C'est genre, je fais du 1G sur mes interfaces virtuelles parce que. Parce que je peux pas. Après, je suis limité à 1G, mais oh, est-ce que. Est-ce qu'on pourrait pas. J'ai gardé des machines. Ou pas? Non. Alors remarque, j'ai la ISP6 VPN et la ISP6 box. Et elle est en 10.6.0.3. Et la IP6 box, hop. Ici, on est en 10.6.0.2. J'ai un hyperf là-dessus. Ouais. Donc, si je fais un hyperf 3 moins P 5201 moins S. Ici, sur cette machine, est-ce que j'ai un hyperf? Non. Alors. Donc j'installe Hyperf 3 sur l'autre machine qui est dans le même sous-réseau. Et pourquoi je veux faire ce test-là de machine dans le même sous-réseau? C'est pour voir s'il y a une limitation qui serait causée par les routeurs. Moins C, et on a dit 10.6.0.2. Ok. Donc a priori, j'étais limité à 1 gigabit seconde. Peut-être par les iOS en fait.
Alors je pense que ce serait intéressant que je me renseigne, tiens. On dérive un peu sur le stream, hein, mais je pense que ça peut être intéressant selon ce qu'on veut maqueter quand on fait des tests comme ça avec des machines virtuelles. Si je tape VIOS KVM guest. VIOS on KVM. Bandwidth. Ah bah tiens. Hop. Bon, ils disent rien du tout sur le sujet. Feature and use case, ils disent que c'est génial, ouais. Ok. Soit. Ah bon, ça va, j'ai compris. Hop. Alors, properly tuned, you can easily saturate. Ok. Projet, c'est quoi ce truc? Alacritive VM. En raison de maintenance. Ah bah, dommage. Sauf que c'est pas ça que je voulais. Hop. Vraiment, il n'y a pas. Hop, dans un nouvel onglet. Ah non, bon. Ok. Alors, ce qui pourrait être intéressant. Parce que là, on a quand même un ordre de débit qui est quand même assez fou. Là, on est à 16-17 gigabits seconde, quoi. Je vais tester avec d'autres machines. Par acquis de conscience. Par exemple, dans ce sous-réseau-là, on en a quelques-unes. Donc, on va pouvoir aller regarder ici. Et on va aller là. Pour être exact. Alors lui, ça sert à rien, on va le laisser tranquille. Et alors on va se. Tiens, oui, non, non, pas la machine libre NMS. Mais on a d'autres machines avec lesquelles on peut faire mumuse. Si elles sont toujours présentes. On avait le VHost website et le website workstation. Non. Oh, j'en ai viré. Hey, j'en ai viré. Oups! Je pense que je vais tester avec le libre NMS et le website en fait. Donc. On va mettre à jour. Hop. Hyperf3. Alors c'est laquelle la DV, DVWA.example. Ah oui, mais remarque le au niveau DNS. Alors, ensuite. Ce que je voudrais voir. J'essaie de retrouver les IP de mes machines en fait. Et si je vais dans les interfaces. C'était dans la DMZ, c'est ça? Donc c'était des 10. 10, 13, 37. Et j'avais fait du NAT de mémoire. Voilà. J'ai fait du port forward. Et j'étais allé vers le DVWA qui était en 10.13.37.43. Donc, si je reviens ici, 10.13.37.43. Ok. Tiens, j'étais sur une Debian Buster. Allez.
Donc, si je fais un hyperf 3 moins s, non, moins p 5201 moins s ici, et que là je fais un hyperf 3 moins c, mince, j'ai oublié son IP à lui. Donc lui, il est en 10, 13, 37, 13. 10.13.37.13. Et là, on est pareil dans les 15, dans les 15G. Ok, c'est cool. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le 10, 13, 37, 13 qui est là. Et je vais lancer mon hyperf. Je vais lancer mon hyperf depuis ma machine là. Hyperf 3 moins C. Donc 10 point, j'ai dit 10 point 13 point 37 point 13. Et là, cette fois-ci, on est à un peu plus d'un G. Et quelle est la différence entre la machine ici Workstation et l'autre machine, la DVWA? Bah, si je reprends mon schéma, donc la machine c'est celle-là, la machine de graphique. Donc j'ai la DVWA qui est là et la 13 qui est une autre sur ce réseau-là. Donc quand elles sont dans le même sous-réseau, ça bombarde. Dès qu'il faut passer par un changement de subnet et donc un routeur, et ben soit l'OPN Sense, soit le VIOS limite la chose. Et alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est aller se connecter directement sur le. Alors, peut-être pas là. On va se mettre là. Si j'ouvre. Hop, on va se mettre là, comme ça. Si ici, si j'ouvre un SSH sur. Non, route. At 10.13.31.1. Donc c'est un OPN Sense et on va faire, on veut un shell 8 et on fait un top. Donc là, a priori, je vais l'agrandir un peu, comme ça on sera bien. A priori, j'ai une load qui est déjà à 1,71. Ce qui n'est pas négligeable, ça veut dire que ça travaille. Ouais, c'est vrai que j'ai un squid aussi qui tourne là-dessus. La machine bosse quand même. Et alors, est-ce que ce serait pas donc c'est cette machine-là. Et si on va regarder en termes de CPU, je lui ai mis qu'un seul CPU. Je ne lui en ai mis qu'un seul. Et elle est déjà à 1,35. Donc elle bosse, hein. Elle bosse constamment. Et si jamais je refais mon test, donc ça continue à tapasser bien fort, on a toujours à peu près la même charge. Ok. Ah si, ça y est, ça monte. On est à plus de 4. On est à plus de 4. Vous pensez à ce que je pense? Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Ce que je pense, c'est que je vais peut-être essayer d'augmenter le nombre de CPU virtuels sur mon firewall pour voir si ça impacte les perfs dans le bon sens. Alors, je vais me reconnecter là-dessus. Je vais faire hop, un Tmux, hyperf 3 moins S 5201. Tu pensais que c'était l'heure de conquérir le monde? Oh oui, on va le conquérir. Pas tout de suite, mais on va le conquérir un jour. Hop là. Alors,
Je vais, non, je vais rester là. Hop. Puisque après tout, ici, j'ai ce qu'il faut. Power. Et on va faire un power off. Est-ce que je suis sûr? Oui. Oui, vas-y. Fais un power off. Il est où? Il est là. Et normalement. Voilà. Allez, éteins-toi, mon grand. Et on va ensuite. Ils sont running, ok. Il y va tranquillement, hein. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, dis donc. Il affiche rien du tout, ça m'embête un peu. Ah, si, ça y est. Voilà, il est éteint. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'on veut une topologie un petit peu plus complexe. On va lui laisser un socket et on va lui mettre deux threads. Et on le redémarre. Alors, pourquoi je lui mets deux threads? Je voudrais voir la différence que ça va donner d'un point de vue perf entre deux threads et deux cœurs. Alors la référence. Alors oui, j'avais reconnu que c'était Minus et Cortex. J'avais reconnu que c'était Minus et Cortex, mais pardon, il fallait que je le dise clairement. Mais justement, je veux dire, il y aura plein d'autres soirs où conquérir le monde. Alors. Maintenant que j'ai redémarré mon. Mon firewall. Hop. Lui, normalement, il a même du reporting local. Ah oui, d'accord, il y a même des trucs Netflow. Mais en termes de santé, il y a quoi? Paquet système. Voilà. Et si je vais me connecter directement sur la machine, là. Remarque, c'est pas la peine en fait. Je vais le faire. Je vais le faire. Tac, tac. Je vais le faire ici. Donc. D'ailleurs, voilà, il s'est déconnecté. Donc on va recommencer. Donc je veux un shell. Et je fais un top. Ah, il connaît pas, tiens, top moins 1. Ok. Est-ce que par hasard il y a un htop là-dedans? Non. Alors. On va se reconnecter à l'une des machines. On refait un petit TMUX. Voilà. Et on va aller taper directement là-dessus. Donc on était limité un peu à 1 giga maintenant. Est-ce qu'on va un peu plus fort? Non, hein. Pas beaucoup. Pas du tout même. Et au niveau de la load sur lui, là, pour l'instant, il est à 0,52. 0,74. On n'a peut-être pas augmenté assez la puissance. Mais tout à coup, il a quand même une charge un peu plus basse. C'est assez étonnant. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a... Alors. Fabou, qui demande de remontrer et expliquer le programme sur le diagramme. Alors. Donc, quand je fais un hyperf3 entre, admettons... cette machine-là et... Alors, je vais lui changer l'IP, lui. Hop. Pour être sur l'exemple dans lequel on est.
Donc entre la machine là en 43 et la machine en 13, si je fais un hyper froid entre les deux, j'ai un super débit. Et quand je dis super débit, c'est 15 gigabits par seconde. C'est juste. Voilà, ça tabasse bien fort. Tu peux transférer bien vite. Et ce qui se passe, c'est dès que tu changes de subnet et que tu passes par un routeur virtuel, un routeur ou un firewall virtuel, eh ben tout de suite tu te retrouves limité à 1 giga. Hey! Merci pour le follow, Royal Milit. Et bienvenue à toi. Ça me fait toujours plaisir, hein, les follows. Je suis super content à chaque follow. Vous êtes déjà 247 à avoir rejoint la chaîne. Moi, ça me. Je suis toujours assez épaté et agréablement surpris. Oh! Oh là! Oh, Manon! Manon, mais quelle générosité! C'est trop gentil, Manon! Ah, super! Manon qui offre un sub à la communauté. Mais qui en a offert? Ouais, qui l'a offert à Fabou78. Oh là là! Merci, Manon! Ça, c'est chouette! D'ailleurs, Fabou78. Faudra y. Ça sortira pas de Twitch et de YouTube, promis Manon. Donc, Fabou, tu disais 10, 13, 37, 1, c'est quoi comme interface 1G, 10G? Alors, c'est une excellente question. Normalement, on est sur une interface DMZ, qui est la VTNet 2 du firewall. Et sur l'interface LAN qui est la VTNet 0 du firewall. Est-ce qu'il y a un ETH tool sous FreeBSD? Ether switch CFG. Oh là! Ceci étant, c'est vrai qu'ensuite on pourrait essayer de faire ces tests avec une machine, bah justement la machine ISP5 box et la machine ISP6 box. Il y a juste deux routeurs entre les deux, qui sont des Linux, vu que c'est des VIOS. Mais je ne sais. Alors, pour être honnête, je connais assez mal FreeBSD. Et si on regarde sur le VTNet 1, il me dit quoi? Ah oui, ça c'est non. La VTNet 2, il dit quoi? Il dit qu'il est en 10G base T. C'est un OpenSense qui est donc basé sur du FreeBSD. Et là, le VTNet 0, pareil, il me dit Ethernet 10G base T et le VTNet 1, 10G base T. Après, par contre, les machines sont en MTU 1500. Hein. Et moi, d'expérience, vu que j'ai un tout petit réseau d'IG à la maison entre bah justement la machine de stream et mon NAS pour pouvoir atteindre des débits un petit peu plus conséquents, il a fallu que je fasse mumuse avec le MTU et je l'ai passé donc à 9000. Mais là, dans ce cas de figure-là, ce qui se passe, c'est que si je reviens là, de toute façon, on n'est même pas à 1G. Et de mémoire, même avec un MTU à 1500, enfin, on monte un peu quand même. Donc là, même en ayant deux threads sur le firewall, ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, si je refais un top, oh, la load a un peu baissé. Tout à l'heure, elle était de 4, hein, maintenant elle est de 1 et quelques. Je pense que je vais essayer de mettre deux cœurs sur la VM, deux vrais cœurs, et on va voir ce que ça donne. Ou alors je passe tout de suite à deux cœurs, quatre threads. Qu'est-ce que vous en dites? On essaye deux cœurs ou on essaye quatre threads? Deux cœurs sans hyper-threading, je veux dire, du coup.
Après, sachant que la machine physique en dessous utilise l'hyperthreading, bon, est-ce que ça va avoir une, est-ce que ça va faire une différence? Moi, je serais bien tenté de passer tout de suite à... Toi, tu vas dire deux cœurs, Manon. Eh ben, allez, soyons fous. Pour incrémenter petit à petit. Eh ben, allons-y. System shutdown time has arrived! Hey, bonsoir, Nicobir. Bienvenue sur le... Enfin, Nicobert, pardon. Bienvenue sur le live. Alors, il va s'éteindre tout doucement. Allez. Bon, du coup, là, il doit être un peu... Hop, voilà. Il a perdu le... Alors, le problème, c'est que le débit est très bon entre deux machines d'un même sous-réseau, mais dès qu'on passe un firewall ou un routeur, on se retrouve avec un débit qui est limité à 1 gigabit seconde. Et on a pu l'observer non seulement avec VIOS, mais on a pu l'observer aussi avec OpenSense. Alors, les interfaces sont des interfaces de type VIRTIO. Donc, en fait, la limite du débit, c'est la limite du serveur à pouvoir processer les paquets virtuels, en fait. Mais au niveau du firewall, lui, il voit les interfaces comme étant des interfaces d'IG. Et ce sont des interfaces VIRTIO, hein. Donc, on va pouvoir se reconnecter, pardon. Hop, je lui demande un shell, on fait un petit top. Et on va se reconnecter ici, s'il veut bien. Il n'a pas l'air. Hop là. Hop. Voilà. Donc, on va pouvoir reprendre notre test. Et là, c'est toujours la même punition. Bon, alors on va pas se casser la tête longtemps, hein. On va le monter tout de suite en... Hop. Je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Parce que la machine en termes de mémoire, elle doit pas non plus être ultra. Elle est à 2 Go. Ce que je vais faire tout de suite, enfin une fois qu'elle est éteinte, c'est je vais la passer à 4 cœurs 8 threads et je vais lui mettre 8 Go de RAM. Et on va voir ce que ça change. Hop, voilà, allez. 8192. Voilà. Au niveau de la, au niveau du monitoring, alors il y a le LibreNMS. Hop, 4 cœurs, 8 threads.
Ah. Ah, on va faire de l'overcommit. Bon, c'est pas grave. Allez. Alors maintenant qui demande si on a du monitoring type Glances ou autre. Alors, l'interface web d'OpenSense a un système de graphes. On a aussi le LibreNMS qui peut donner des informations. Mais sinon, on a top. Et je ne peux pas forcément installer Glances dessus, vu que c'est un OpenSense, donc on est quand même un peu limité en termes d'installation. Hop, allez, on s'y reconnecte. Voilà, un shell, on fait un petit top. Ah, il a déjà une load de presque 2 là, alors qu'il a. Alors, si jamais je reviens ici, à mon avis, il a dû perdre la session, non? Ouais, voilà. Hop. Si je reviens dans le dashboard. Comment ça, 32 cœurs? Ah, je crois que j'ai compris. J'ai dû me tromper dans la. J'ai dû me tromper. Ok, je vais rétablir ça tout de suite. C'est pour ça qu'il a dit l'overcommit, c'est. On va l'éteindre. Je crois qu'il commence à être un peu tard pour moi. hop là. Allez. Ah oui, parce que du coup, j'ai fait une allocation VCPU de. Ah oui, parce que j'ai mis 8 threads. Donc c'est 8 threads par corps. C'est 8 threads par corps. Et oui. Et oui. Ah là là. Allez, éteins-toi gentiment, petit firewall. Allez, allez. Ah, tu m'étonnes, un uptime de 2 minutes 7, hein, il n'a pas dû en avoir. Voilà. Donc là, si je mets 2, voilà, j'ai 8 vCPU qui sont alloués. Voilà, ce sera mieux. Ce sera un peu plus raccord. Et c'est reparti. Allez, maintenant on démarre OpenSense gentiment. Elle démarre un peu plus vite quand même. Allez, courage OpenSense, démarre. Allez, je t'ai filé plein de CPU, plein de RAM cette fois-ci. On y croit. Bon, il a pas l'air de vraiment démarrer énormément plus vite, hein. Oups là. Allons-y. Non, pas au bon endroit. Voilà. On revient ici, on se reconnecte ici. On reprend notre hyperf et bim. Ah non, on est toujours limité à 1 giga. Ah, on monte un petit peu. 1 giga 26. La charge pour le moment, elle est inférieure à 1. On va le laisser travailler un petit peu. Mais si ça se trouve, en fait, c'est peut-être même pas une question de. C'est peut-être même pas une question de que la VM soit péchue ou non. Si ça se trouve, c'est peut-être le fait d'avoir les deux VM dans le même sous-réseau. Alors, à l'intérieur des machines, on a l'impression d'avoir une limite de perf inférieure à celle théorique de la VM. Je dirais que la source du problème viendrait plutôt de l'host que de la VM. Oui. Bah en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que si ça se trouve, quand on passe d'un sous-réseau à l'autre. Il y a peut-être plus de calculs qui sont faits par l'hôte et du coup ça charge un peu plus. Alors ce qu'on peut faire c'est regarder avec
Hop. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop. Alors là, j'ai un BPY top. On a quand même un CPU qui est à 100%. Deux qui atteignent les 100%. Oui, ça c'est BPY top. Ça ressemble énormément à Bash top, c'est normal. Oui, l'interface est sympa, j'avoue. Je sais plus si j'avais installé Glance là-dessus. Là j'ai un vir SH. Ah oui, non, là je suis sur le routeur. Hop là. Ah bah oui, j'avais installé. Et donc là, on a une machine qui est à 200%. On va le quitter, on va le relancer. On a deux machines qui sont à presque 200%. Ah non, c'est les interfaces réseau, autant pour moi. Mais on voit. Ah oui, on voit la machine qui. Ah oui, non, c'est. Oui, c'est limité là. Ok. Donc c'est bien. Oui, tout à fait, Fabou78 qui signale que le petit nouveau s'appelle B-Top. Je crois pas qu'il soit dans les repos Fedora actuellement. J'ai USB top. Non, j'ai pas encore B-Top. Déjà, j'ai la version Python. Si je recherche dans les interfaces réseau au niveau de BPY top, là on n'a pas grand chose. Ah là, ça tape. Mais oui, je suis du coup limité dès que je change de sous-réseau, dès que je dois passer par une troisième machine pour faire du trafic entre deux, tout de suite ça s'écroule et je reste capé en un peu plus d'un giga en fait. Et on notera que pour le moment en termes de charge, on a une charge à 8 en load average CPU. On a une charge à 8, sachant que j'ai donc 24 threads. Et en termes de mémoire, ouais, non, on est bien en fait. Bon, au niveau du network, il affiche pas grand-chose, hein, Glances. Il y a les VNet, il y a les VirBR quelque chose qui sont pas beaucoup. Lui, il me dit que je suis à 31% de d'usage CPU. Ah oui, ouais, bon, il m'affiche aussi la load à 8 sur 24 corps, ok. Bon, c'est 24 threads, hein. J'ai 12 cœurs, pas 24. Oh ça va, je pourrais charger un peu plus mes machines en RAM en fait, hein. S'il me reste encore 28 Go de RAM à utiliser, ça va quoi. Je pensais que je consommerais plus sur mon home lab à la base. Ok, bon. Dans l'immédiat, je vois pas trop ce que je peux faire de test parce que effectivement, j'augmente le nombre de vCPU, mais a priori c'est pas ça qui fait que la VM traite plus vite.
D'ailleurs, la VM en elle-même, le firewall, il est une. Bah oui, on avait un top quelque part qui traînait. Il est toujours à. Ah, il est à 1,84. Peut-être que les VM sont limitées par la RAM, car au final, les données transitées sur le réseau utilisent RAM plus CPU. Peut-être. Peut-être. Mais actuellement. Actuellement, là, le OpenSense, il m'annonce 7,5 Go sur 8 de libre. Et les deux machines qui font là le transfert. Bon, certes, elles sont moins péchues. Beaucoup moins péchues. Mais entre deux machines moins péchues sur le même sous-réseau, elles arrivent quand même à transiter à 15 gigabits seconde. Donc il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. Ah oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi, Manon. C'est un problème intéressant. Je serais curieux de voir quel est le goulot d'étranglement à ce niveau-là. Si je fais un hash top et que j'essaye de focus sur la mémoire. Alors, si je veux trier sort by PID CPU même, donc c'est M majuscule. Alors, celui qui mange le plus de mémoire actuellement, bah c'est le firewall. Somme toute assez logique. Et on peut voir qu'il a on peut voir qu'il y a 8 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Il y a 12 processus. Il y a 12 processus QEMU System x86-64 qui sont lancés pour gérer une VM avec 8. Alors, ce qui est marrant, c'est que si on regarde l'utilisation CPU, on remarque qu'il y en a qui sont à 200 ou à 100%, presque, et d'autres qui sont à rien du tout. C'est marrant. Tiens, il en fait encore plus là. Alors, je suis de fait encore plus curieux. Alors, si ça se trouve, le FreeBSD a désactivé l'hyperthreading. Hein. Enfin, en tout cas, l'OpenSense a désactivé l'hyperthreading, peut-être. Hein. Donc la machine tourne que sur 4, 4 des 8 vCPU. Où est-ce que je pourrais voir ça? Qu'est-ce que j'ai comme information là-dessus? Non, j'ai pas grand-chose à ce niveau-là. Ce que je peux peut-être faire, c'est aller ici et puis peut-être faire un DMESG. Donc, un package, 4 cœurs et 2 hardware threads.
Alors comme j'ai dit, je suis pas un expert en FreeBSD, donc ce que je vais faire, c'est FreeBSD CPU info. D'accord, un 6CTL HW.NCPU. 6CTL HW.NCPU. Ah, et maintenant, suite. Donc, il a bien l'hyperthreading activé et pris en compte. Oula. Hop là. Donc, ouais, c'est effectivement. Alors, je pense qu'on. Ah, ça monte un peu. Mais bon, voilà, on est loin. Hein, quand on a une charge de 1, même pas 1,5, alors que la machine, elle a 8, 8 vCPU, ça va, on est bien, quoi. Normalement, on est bien. Bref, c'est un problème auquel je pense nous n'apporterons pas de solution ce soir. Mais c'est quand même assez intéressant. Alors, est-ce que c'est réellement un problème? On va se poser quand même un peu la question. Est-ce que c'est réellement un problème? Si je me retrouve limité en 1 giga par interface réseau. En tout cas, dans les communications inter-réseau et pas intra-réseau. Globalement, je suis quand même content de pouvoir faire des petits perfs. Voilà, on est d'accord, Fabus78, dans le cadre d'un lab. Après, sur le principe, hein, je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Alors pour toi Manon, c'est un peu plus gênant si tu veux faire une infra avec de la sauvegarde de grosses bases de données. Ah oui, effectivement. Alors si jamais tu as oui plusieurs hyperviseurs en production et que tu ouais après tout dépend de si tu mets tous tes firewalls en virtuel, effectivement tu vas te retrouver limité à chaque fois à 1G. Et si tu as envie de. Si jamais tes hyperviseurs, eux, ont des interfaces d'IG, la question c'est est-ce que ça monte. Ouais. J'allais chercher de l'eau, mais elle est là. Donc effectivement, alors, je pense que dans le cadre de ce lab-là, normalement 1G ça suffit, mais sur le principe, c'est vrai que j'aimerais bien comprendre. Oui, alors, dans mon cas de figure, de toute façon, en sortie, mes cartes réseau sur la machine de lab, elles sont limitées à 1G. Donc, ça a le mérite d'être très clair. De toute façon, je peux pas sortir à plus d'un G sur le serveur physique. Donc, à partir de là, bon. Ce qui pourrait être marrant, par contre, ce qui pourrait être marrant, ce serait d'essayer de faire de l'agrégat de liens entre différentes machines. Et de voir si on arrive à augmenter comme ça le débit. Mais je pense qu'il faudrait faire plusieurs hyperf en parallèle, notamment avec certains protocoles, pardon, certains protocoles comme l'agrégation de liens, le 802.3 AD, si je me rappelle bien. Donc, c'était quand même intéressant de se poser des questions de limitation de débit réseau des VM, de qualité de service. On a vu des choses intéressantes. Moi, j'en suis super content du live de ce soir.
Et pas seulement parce que Manon a offert un sub à Fabou78. Encore merci d'ailleurs. Il n'y a pas plus content que toi. C'est super. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver. Alors, avec un peu de délai en ce moment, il y a un petit peu de délai en ce moment sur le montage et la mise en ligne des vidéos sur YouTube. Mais croyez-moi que c'est quelque chose qui est fait régulièrement quand même. Donc, si jamais vous voulez regarder les anciennes vidéos de temps en temps, elles sont soit sur Twitch pendant 2 semaines, soit ensuite sur la chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'adresse de la chaîne YouTube en tapant point d'exclamation YouTube là en dessous, si vous êtes sur Twitch. Et si vous êtes déjà sur YouTube, vous pouvez trouver l'adresse de la chaîne Twitch dans les liens de la description. Oui, voilà, le point d'exclamation YouTube. Est-ce qu'il fonctionne toujours celui-là d'ailleurs? Ça a pas l'air. Fichtre. Je raconte des bêtises en direct. Je vais aller vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Ah, oui, le Discord ça marche. Et Manon qui rajoute l'adresse de la chaîne YouTube à la main. Merci Manon, c'est très gentil à toi. Si jamais vous voulez qu'on se retrouve, eh bien on peut se retrouver d'ailleurs sur le Discord, effectivement, comme Fabou a indiqué le lien. Hein. Et puis de toute façon, c'est dans les descriptions de la vidéo. Les heures et les jours de stream. Globalement, c'est le jeudi de 20h à 22h et le dimanche de 18h à 20h. On continue actuellement les dimanches une série de travaux pratiques destinés aux débutants. Pour l'apprentissage de l'installation et de la gestion d'un serveur sur Linux qui va ensuite devenir un serveur web. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos-là si jamais ici c'était un petit peu trop high level. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée, à vous remercier encore pour votre assiduité renouvelée. Et effectivement, en plus du TP en vidéo, tous les énoncés sont sur GitHub. Voili voilou, c'est fini pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche. Et puis d'ici là, ben, amusez-vous bien. Salut!